Bonjour, je me présente moi-même, je m'appelle Sartine Moto, j'ai un garçon qui s'appelle Elven, il a 4 ans, il a une maladie qui s'appelle Nephrotic Syndrome. Depuis l'année dernière, nous découvrons en juin, donc je commence à traiter ici, il y a un traitement approprié qui est bizarre pour un premier temps, pour bloquer parce qu'il est sur les reins, tout souvent, HPPL dit, tout son protéine quand il fait pipi. Premier d'abord, quand je suis traité, je me donne un médicament qui appelle cortisone. Je me donne cortisone pas mal de temps. Il retombe malade en décembre. Quand il réamène l'hôpital en décembre, il arrive lui, à un moment, quand nous trouvons sur l'antenne, bouché sur un côté des pieds, droite, timide complètement blanche. Blanc net. Là, ici, j'ai une ferme de mos, j'ai essayé de déboucher sur l'antenne. Malgré que je débouche sur là, au bout de 2-3 jours, il fait de la gangrène de sur les pieds droits. Après ça, quand une amputation de pied, nous commençons à bouger, nous commençons à faire un peu plus. Nous arrivons à un moment, quand nous récit, quitte Maurice, nous amenons à faire un traitement à La Réunion. Première fois, nous à La Réunion, le gouvernement tire de nous un CSA, tire de nous 500 000 roupies. Nous amenons à faire un traitement, nous amenons sans ce système de traitement net. Normalement, mon garçon, si vous êtes un néphrologue, il n'y a pas de néphrologue aux enfants, nous payons dans Maurice. Donc là-bas, étant donné, là-bas, nous avons un néphrologue, il commence à traiter, petit à petit, il commence à améliorer un petit peu. Il a amélioré, nous retournons à Maurice, nous sommes allés en janvier, nous faisons un mois là-bas, nous retournons à peu près le 15 février 2015. Quand nous rentrons à Maurice, en mars, nous gagnons un papier, nous faisons des morts, nous ne nous faisons pas une enquête parce que nous faisons rentrer là-bas en juin. Et vu que nous sommes une famille modeste, nous faisons travail normalement, nous payons un moyen là pour nous capables d'amener nos enfants faire un traitement. Donc nous passons une enquête première fois, moi je passe sur Radio Plus. Radio Plus, il n'est moins un peu. Enfin, nous avons réussi à récolter un fonds. Malgré ça, nous avons fait une enquête publique. Nous faisons une enquête publique dans un supermarché, hypermarché, un peu à travers l'île, dans une grande surface, tout ça. Nous sommes allés, nous sommes allés à La Réunion en juin. Nous quittons Maurice à peu près, je crois, le 30 juin à peu près. Nous sommes allés à La Réunion, nous faisons 2 mois à La Réunion. Pendant ces 2 mois que nous faisons à La Réunion, nous avons retraité encore. Mais malheureusement, ce cas continue à arriver. Il y a des enfants qui ont une bulle de son lotier. Donc, tout ce lotier a une bulle. Donc, ça a une bulle là. Ici, même quand il y a une première fois, il y a quand ce lotier est bouché, il n'y a aucun moyen de dire non plus de celui. Donc, ce traitement est un traitement extrêmement grave. Le docteur nous demande un certificat médical contre mon ville Maurice. Il nécessite 3 consultations annuelles en néphrologie pédiatrique au CHU de La Réunion pendant au minimum 3 ans, probablement il est capable de dire dans plus beaucoup un long terme 15 ans. Ça, mon garçon, Elven, il y en a 4 ans. Donc, après ce qui est passé, on a retourné Maurice, on a fait des morts, on a un PMI d'enquête, un PMI pour la police pour nous faire une collecte publique. Donc, là, nous avons une intervention pour nous le faire en décembre. Ça peut arriver nous à peu près 2 millions. Vu que nous avons déjà fait la quête première fois, nous connaissons extrêmement difficile pour nous arriver à ce chiffre-là. Donc, PMI qui m'ont gagné aussi à la police, parce que déjà une fois, m'ont gagné PMI, on pas gagné assez long, m'ont gagné PMI qui peut durer jusqu'à le 11 octobre. Donc, mon besoin, si nous prenons aujourd'hui, qui date nous était pour nous venir depuis 11 octobre, mon besoin un bel jour, mon besoin trop bel temps. Nous peut demander une aide financièrement. En plus de ça, je demande tout ban ONG, tout ban compagnie qui donne CSA aussi, vous êtes capable de rentrer en contact avec nous. Qui fait nous faire une intervention, normalement, il y a déjà un problème des reins. Sur un côté, les reins déjà affectés. En plus de ça, il y a un amputation du pied, la jambe droite maintenant. Les reins, côté bon là même, il amputent sur un côté du pied. Il n'est pas capable de servir ça les reins. Donc, ce qui n'est pas bon, c'est qu'il peut débrouiller l'eau là, ou un sel du pied. En même temps, nous avons une démarche qui nous peut faire au niveau de l'ambassade de France, parce qu'il y a une demande par pied. Côté l'hypédiamant, nous avons un traitement à peu près 15 ans. C'est extrêmement difficile pour me rassurer ça pendant 15 ans, moi, aller venir à La Réunion. Donc, si nous pouvons essayer de faire une demande, que nous n'avons pas gagné un PMI pour rester là-bas, provisoire. Bonjour, je m'appelle Anoucha. Mon parent, Elven, nous sommes maman. Comment vous voulez me dire? Nous avons besoin de soutien mauricien, nous avons besoin de soutien du public. J'espère que nous réussissons à contribuer à ce que nous pouvons demander. Nous pouvons reprendre nos enfants dans la réunion, faire ce traitement comme ça. Et comment vous demandez tout, aide-nous.
Je les ai beaucoup plus enfants.